Oh, je vais éternuer. Non? Oui? Non? Est-ce que ça marche de mettre du poivre pour éternuer? Ah, j'ai vraiment envie d'éternuer de fou là. Je suis en train de sniffer du poivre là. Ça, ça marche presque. Allez! Allez! Ça marche presque! Oui? Waouh, ça a fonctionné! Oh putain, je m'arrête plus! Ok, mauvaise idée le poivre. Oh putain, oh, ok. Attends, je vais me moucher parce que là j'ai trop de poivre. Oh le con! Tiens, putain, ça s'arrête plus! Putain, il y a du poivre dans le mouchoir. Mais quel abruti! Bon, ça tombe bien en parlant d'abruti parce que c'est un jeu d'abruti qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être la partie 2. On a fait la partie 1 en stream et sur YouTube. Vous pouvez voir la partie 1 fiche quelque part en haut à gauche. En... Je vais déterminer. Je vais la mettre aussi dans la description si vous voulez. Pour ceux qui découvrent le jeu, c'est un jeu de con déjà, hein, il faut le dire, c'est un jeu de con. C'est un jeu de parcours, plateforme, obstacle, de piège. C'est très fourbe. C'est diabolique. Non, c'est pas diabolique. En vrai, le jeu est cool. En vrai, le jeu est cool, il y a une bonne ambiance, il y a des belles couleurs, bonne petite musique. Qui change vraiment très souvent de rythme, c'est faux, mais tu peux changer en tapant les personnages by the way. Donc là vous voyez j'ai un niveau exceptionnel dans le jeu, c'est faux aussi encore une fois, mais depuis la partie 1 j'ai beaucoup joué au jeu, hein, j'ai beaucoup joué au jeu. Là tu dois attendre la petite avant de passer ici, tu laisses la grande passer, tu te mets ici, tu fais la petite butte auto jump, parce que oui il y a des auto jump, je savais pas avant, la jump qui skip cette partie là, donc ça nous met très très bien, et là on fait touche R, ragdoll, et boum, on est safe. Oui, oui, nous gagnons beaucoup de temps, oui, je, moi, progresser dans le jeu, et ça fait plaisir. Est-ce que je teste le boulet de canon, skip? Non. Non, je suis pas chaud, je suis pas encore assez chaud là. Est-ce que j'ai raté la save? Complètement. Ok, on va passer par là. Je vais pas faire de speedrun, hein. J'ai pas le niveau pour speedrun. On va juste finir le jeu et on se casse. Alors j'ai déjà fini le jeu en stream, mais c'était pendant une partie de LOL. Il y avait marqué en gros, je suis en queue sur LOL et tout. C'était de la merde. C'était de la merde, tout simplement comme truc. Du coup, on va recommencer. J'ai fini une seule fois le jeu, la fin. Je m'en souviens même plus tellement elle est trop chelou. Il y a des trucs genre je comprends pas. Alors là, je vais pas sauter, j'ai pas envie de sauter. Oui. Non, en vrai les ports, la marge d'erreur est pas insane genre. Pas trop attendre ici. Alors si je me foire ici par contre je suis vraiment pas bien quoi. Moi je pense que mais sauter maintenant c'est bien. Pas besoin de vous dire qu'on a eu un peu de chance. Donc là on est dans une autre partie, la partie boisée, mécanique. Alors est-ce qu'on peut pas sauter ici? Ah oui on peut sauter ici. Donc évidemment si vous voulez voir des runs speedrun dans le jeu, bah je vous conseille en vrai si vous aimez bien le jeu. Parce que super agréable. Parce qu'en fait c'est un jeu où Quand tu connais le... Qu'est-ce que j'allais dire en gros? Quand tu connais un peu le jeu, c'est bien de regarder une speedrun parce que tu peux recommencer le jeu et ça va pas super vite. Il y a des trucs, tu gagnes beaucoup de temps, c'est moins chiant et tout. Et le jeu à speedrun est ultra agréable. Bon, il y a des Coréens qui ont trouvé des techniques en mode Super Saiyan. Bon, c'est un autre... Non, on recommence pas ça, s'il vous plaît. On recommence pas ça. Je connais pas toutes les mécaniques du jeu, mais s'il vous plaît, tout sauf ça. Beaucoup trop chiant quand ça arrive, ce truc. Ouf, ok, là j'ai un petit peu troll. J'ai un petit peu troll, j'avais pas le timing. Hop. Alors moi je saute, normalement il n'y a pas besoin de sauter. Mais bon, et là hop, tu peux faire un truc comme ça. J'ai eu de la chance parce que j'ai très mal sauté en vrai. Là aussi j'ai très mal sauté. Là est-ce que je le prends? Je le prends pas, hein, c'est fait exprès que j'ai raté ici. Ne vous inquiétez pas. Là hop. Hop.
Ah mais ça c'est une partie que vous ne connaissez pas du coup. Quand j'y pense. Du coup pas bienvenue. Là c'était des gardes, t'aurais pu lancer des poules pour les tuer si tu veux. Là les tonneaux sont... En fait tout est un peu téléguidé dans le truc. Les canons, les tonneaux et tout, donc faut faire un peu gaffe. Là, le petit chariot que je m'étais pas pris la première fois d'ailleurs. Vous savez quoi, je suis confiant. Je vais même pas prendre le ballon. On va juste sauter hop ici. On va sauter là. Normalement il faut faire plein de trucs relous. On n'est pas là pour faire des trucs relous hein. On est là pour finir le jeu. Je vous montre le jeu et on se barre. Là j'aurais peut-être dû prendre le ballon par contre. J'aurais peut-être dû prendre le ballon parce que en vrai c'est un peu chaud à partir de là. Donc là c'est des plateformes à deux. C'est une plateforme avec deux plateformes dessus. Il y en a une où t'es lent, celle-là, et quand tu vas sur le plus clair, tu vas super vite. Regardez. Donc faut faire gaffe. Là je viens de rater mon jump. En gros, là je vais faire des techniques pour skip des trucs. Parce qu'en fait là les missiles en vrai j'y arrive pas sans le shortcut ici. Genre c'est je pense j'y suis déjà arrivé je pense une fois ou deux mais yo regardez-moi les missiles. Là il y en a deux là-bas qui vont faire des missiles quand tu vas t'avancer mais j'ai vraiment pas envie de vous montrer. Normalement il y a un shortcut ici. Tu te mets sur la plateforme là-bas, tu te prends un missile dans la gueule et en fait ça te fait bounce là-bas et tu skips toute la partie là. Moi je vais pas skip les parties que vous avez pas vues dans la partie 1. Du coup c'est pour ça que je vais aller ici. Ok, on va aller là. Voilà. Donc là, il y a un missile qui va pop. On l'esquive. Il y a un ballon. Ok. C'est bon. Ce ballon était important parce que ça, ce truc-là, je l'ai fait que une dizaine de fois, ce passage-là. Vraiment, je l'ai pas fait beaucoup de fois. Donc, on risque de mourir. On va pas y arriver du premier coup, ça m'étonnerait. Ok. On va ragdoll au cas où. Oh putain, ça m'a fait peur. Donc là, on va s'avancer le plus proche possible. Vraiment. Ah oui, je vous ai dit qu'on allait se rapprocher proche. Ok, donc là, dans mes souvenirs, il faut que j'aille là-bas. Non. Putain, il faut que j'aille où? Non, il faut que j'aille tout droit, là. Non, il faut que j'aille tout droit. Il faut que j'aille tout droit. Maintenant. Nickel. Ok. Donc là, il y a des trucs qui peuvent me tomber dessus, je crois. Non. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui tombent, mais qui font rien. Est-ce que je peux les proc avec des poules? Ok. Oh putain, sa mère. Je pensais pas qu'il était aussi proche. Ok, donc là, il faut que j'aille où? Ok, il y a la plateforme ici apparemment. Oh sa mère. Ouais, il y a des trucs qui tombent mais je sais pas si ça me tue. Là, je sais pas trop où je dois aller. Ok, on va aller ici. Là, j'ai un spot. Ouais, j'ai un spot devant ici. Go. C'est ça, hein. J'ai un spot ici. Oh sa mère. Les rochers m'ont fait super peur. Est-ce que je peux one shot ou pas? Faut que j'aille où? Dans le creux. Ok. Allez, on fonce. Ok, nice. Là, je l'ai réussi qu'une fois. Ça, je l'ai réussi qu'une fois, donc je sais pas si je vais avoir de la chance. Faut faire tac, 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 tac et tac. Allez, c'est parti. Les missiles m'ont pas tué la dernière fois. Avec un peu de chance, ça me retue pas. Ok, on est safe. On est safe. Ok, GG. Là, il y a un max de gardes. Et c'est trop chiant. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais les agresser comme ça. Et ils vont venir. Non? Ok, il faut que je les aggro. Il faut que je les pull. Pull! Ils arrivent. Ok, 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 ok. On est pas mort. On est pas mort. Allez, ça va s'occuper pour moi. La petite poule, ok. Ah merde, il en restait un. Bon, ça va, il se fait rect. Mort ou pas? Il a pas l'air d'être mort encore. C'est bon, il est mort. Ok, on peut avancer.
Alors, normalement, il y a d'autres gardes. Oh, sa mère! Il est mort? Je pense que je vais faire le tour, ça va être plus safe. Putain. Il est mort? Ok, je crois qu'il est mort. Là, il y en a encore un ici. Ok, dead. Là-bas aussi. Et là, on est fine. Ah bah, c'est ça. C'était tout? Vous avez gagné, félicitations. Quel écran de fin, mais quel... C'est incroyable, c'est juste incroyable. Okonei, boum. Votre premier chevalier a terminé. Ah putain, c'est vrai que je l'ai one-shot. GG. Bon bref, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé le jeu. C'était Alt-F4. Voilà, je vous ai donné quelques tricks pour aller un petit peu plus vite, surtout au début. La fin, je maîtrisais absolument pas, mais c'était grave cool. Et ouais, cool. Si vous avez d'autres idées de propositions de jeu, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.